48 heures après mon mariage. C'est que le mariage, il m'a vraiment coûté très cher. Mon manager, il m'a appelé, il m'a dit, Milan, il y a une très belle date à Carthage, très bien payée, mais le 16, deux jours après ton mariage. J'ai vu le mariage, ce qu'elle a écouté, je l'appelle, je lui dis, écoute, même le 15 matin, au Bangladesh, très mal payé, je prends. Je suis dans la merde, les amis, il faut qu'on en parle. D'ailleurs, mon manager va passer avec un chapeau, après, chacun, il met ce qu'il veut. 50 dinars, 20 dinars, même un dinar, je prends. Pour les gens de devant, on va faire passer le TPE. Elle me dit, bah oui, c'est les oiseaux qui vont nous ramener les alliances. J'ai oublié de naître. Mes parents, je leur fais pas assez confiance pour leur confier les alliances. Tu veux que je les confie à des oiseaux? Merci. Je suis arrivé à l'entretien d'embauche avec un costume satiné et un col en paillettes. On aurait dit Maître Gibbs ou Energy Music Award. J'ai fait rentrer dans le bureau comme ça. On casse la porte, c'est la Gestapo. J'arrive là-bas, je m'assois en face de la RH et là commence le début des mensonges. On connaît tout ça. T'as mis n'importe quoi sur le CV, mais faut garder la face. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Mais quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et on te suce. Merci. Merci. Elle est marocaine, algérienne. Oh, ça sert à rien à part à la garde à vue. Il y a des Algériens? Pas tout du monde. Ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content d'être là. Merci. Merci. Merci la Tunisie. C'est une chanson pour l'homme de ma vie. Que j'ai pas encore rencontré. Oui, non, parce que c'est vrai que j'aime bien les mecs un peu. C'est les mecs un peu. C'est des connasses. J'adore les Arabes. Yeah.